tôt possible. Dans une heure, ça fait votre affaire? Ah oui, ça fait mon affaire. OK, ça va être prêt vers 12h45. C'est tout? C'est tout, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Merci bien. Nos photographies représentent souvent des moments inoubliables. L'étape du développement devient alors très importante. On veut s'assurer d'un développement de qualité à un prix raisonnable. Le service de développement photographique d'une heure est le plus populaire auprès des consommateurs. Pourtant, ce service, essentiellement mécanique, présente certains risques. Les négatifs sont parfois égratignés, ce qui dégrade la qualité des photos développées. La standardisation du processus de développement limite la qualité du traitement de certaines photos. Et il arrive que des photos soient sûres ou sous-exposées. De plus, ce service coûte plus cher. Dans l'Outaouais, trois compagnies se partagent le marché du développement photo d'une heure. Black's Camera offre le meilleur prix aux consommateurs. Le développement d'un film couleur de 35 mm et de 24 poses coûte 12,64 $. Le 36 poses, 16,87 $. Au Centre japonais de la photo, ou le Japan One Hour Photo, un 35 mm couleur de 24 poses coûte 13,62 $ pour un développement d'une heure, un 36 poses, 18,18 $. Quant à Direct Film, le coût du développement photographique d'une heure y est nettement supérieur. Le 35 mm couleur de 24 poses coûte 14,99 $. Le 36 poses, 20,99 $. Par rapport à Black's, la différence est de 2 à 4 $ pour le même service. Les consommateurs qui sont prêts à payer afin de s'assurer d'un développement personnalisé de leurs photos peuvent s'adresser à un spécialiste indépendant qui accordera une attention particulière à chacune de vos prises, surtout si elles sont plus artistiques.